invite les gens ici sur le site pour montrer deux beaux exemples de conservation du patrimoine bâti. D'une part, on a le manoir Le Boutillier, qui est un monument historique qui a été transformé en musée, qui est mis sur la reconstitution historique. Et d'autre part, la Maison Boulay, qui est un projet communautaire qui mise sur la conservation du patrimoine horticole de la région. Aussi, les deux maisons montrent les différences socio-économiques qui ont marqué l'histoire de la Gaspésie. D'une part, bon, on a le manoir Le Boutillier, qui est une maison de gérant d'une grande compagnie de pêche. Juste à côté, donc ils cohabitaient, là, c'est la maison d'une famille canadienne-française, plutôt modeste et catholique. Le grand intérêt de la Maison Boulay, c'est surtout son intérieur, où on peut voir les traces de la dévotion domestique dans une famille catholique au 20e siècle.